Les toits se verdissent en Suisse. La municipalité de Bâle, à la frontière de l'Allemagne, la France et la Suisse, a décidé de tirer profit d'espaces urbains inutilisés. Tous les toits plats de la ville seront transformés en toits végétalisés qui ont des propriétés rafraîchissantes. Très utile pour affronter les chaleurs estivales, d'après le professeur Stefan Brenneisen, qui dirige le groupe de recherche sur l'écologie urbaine à l'université de Zurich. Un sujet qui prend vraiment de l'importance aujourd'hui est l'adaptation au climat. Donc dites-vous que c'est une éponge sur le toit qui conserve l'eau. Donc évidemment, de l'humidité s'en échappe et cela permet de rafraîchir l'immeuble, mais aussi la ville. Au-delà du bien-être des habitants, verdir les toits permet également de préserver des espèces végétales. Sur les toits de Bâle fleurissent de nombreuses variétés d'orchidées, dont certaines en voie d'extinction. On a vu que ces espaces n'étaient pas toujours utilisés et nous avons été capables de prouver que des espaces précieux pour la biodiversité pouvaient être créés. Cela fait maintenant partie du plan local d'urbanisme depuis 20 ans. Si vous avez un toit plat, vous devez le végétaliser. Si vous me demandez des chiffres, je dirais qu'on a à peu près 4000 toits verts à Bâle. Tout a commencé lors de l'année européenne de la conservation de la nature en 1995. Aujourd'hui, Bâle est la ville avec le plus fort quota de toits végétalisés dans le monde.